pour nous capables de passer des tas d'informations ça avec nous, côté que nous parlons, en pile point cap dominer actualité ou bien principal point cap dominer actualité. Et nous trouvons nous dans Washington DC. Notez ça parce que demain vendredi, m'a on l'autre côté, m'a dans et studio ça, mais m'a on l'autre côté, mais c'est toujours même bagaille là. Et VOA Creole avec même objectivité à nouvelle coca fait confiance, nouvelle pape qui pape gen irata n'a bindou que nous te comprendre tel bagaille. Mais n'a bonne nouvelle, nan bon Jean Timamite, pas même nan Timamite, non, mais bon Jean Timamite, même Jean-Robert Philippe tout, a fait un peu plus tard. N'a commencé inhabituellement, n'a commencé avec sport. Parce que nous connaît que dans toute situation, qui gagne à travers le monde et principalement en Haïti, eh ben les bons gagnent des fois où on t'y détente. N'a parlé de football, t'es gon bouillon boule pendant week-end dans la Ligue Champion, Ligue Champion, Champions League, qui c'est championnat club qui pi prestigieux, pi important dans le monde. Donc leur champion et dans Ligue Champion, eh ben sous son joueur, sous son super vedette, eh ben gagne plus chance pour jouer une Ballon d'Or là. Messi, eh ben et jeune Ballon d'Or là grand pile là d'ailleurs c'est et Champions League là et Cristiano Ronaldo même bagarre là et gain monsieur Mbappé là qui lui mec fait qualifier avec Paris Saint-Germain monsieur toujours espérer gagner remporter un Ballon d'Or un Ligue Champion c'est ça monsieur Taremé et monsieur promet président Paris Saint-Germain que la pote et coupe là à Paris donc n'attend pour nous même avec Tiloulou Henrique qui c'est entraîneur et Paris Saint-Germain, qui te dit avant match Paris Saint-Germain contre Barcelone, il dit la gagne match là. Il dit la gagne match là. Bon, grand pile monde qui te gagne doute sur ça. Parce que, yon FC Barcelone, qui a la caillou, qui a la caillou, eh ben, il est difficile pour leur retourner en Espagne, à Barcelone, pour remonter Gola et puis, pour Kalel, c'est un bagage qui pas trop vraisemblable. Bien que c'est pas le grand Barça. Et qui était là, son Barça qui en dents de scie et qui pas qu'à vraiment kembe et tout espoir que capable gagner sous lui pour son histoire. Donc d'abord, hier c'était un gros match qui était gagné, un gros match, match tête chargée. Gen moun qui dit c'est peut-être les deux meilleurs clubs qui t'a joué hier. Ça c'est opinion entre Real Madrid avec Manchester City. Dans match aller dans stade Santiago Bernabéu. Eh ben, et Manchester City t'est raché en match nul 3-3. Cela veut dire que Real a déplacé avec un déficit et 12e homme là pas là. Ça veut dire et fanatique pas là bien que t'es un bon petit groupe fanatique qui était là mais pas en pile par rapport à anglais. Donc match a fini, donc match aller était 3-3. Match retour a fini 1-1 et dans pénalité, il finit 4-3. C'est un match que Manchester City dominait nettement avec une supériorité visible, comme si tout le monde capable, pas besoin de gros spécialiste dans le football, ou pas besoin de Patrice Dumont, et pour ouais que, Philippe Vogue, pour ouais que vraiment que Manchester City supérieur à l'équipe et Real Madrid là. Mais tout c'est pas simplement match là. T'es gon l'autre match tout, t'es gon deux entraîneurs, deux tactiques, avec deux tacticiens, en parlant de Pep Guardiola, qui a entraîné Manchester City, et puis Carlo Ancelotti, un vieux de la vieille, qui a entraîné Real Madrid. Gen moun qui dit que, en général, et Carlo Ancelotti qu'on gagne, et façon pour le gérer, et dernier carré ça yo, gros événement ça yo, parce que monsieur gon histoire d'elle la poton carrière qui bien long bien que Pep Guardiola tout commencé tourner yo gros référence dans question de et entraîneur mais finalement match a fini 4-3 c'est la qualification de Real Madrid sous Manchester City donc nous pral gon demi-finale Paris Saint-Germain qui éliminé FC Barcelone li pral jouer avec Borussia Dortmund qui lui-même éliminé Atlético Madrid. Et puis, n'a pas gagné en Paris Saint-Germain qui pourrait jouer contre Borussia Dortmund. Gen moun qui dit équipe allemande, yo, ou pas jamais moun konnen. Yo bon, même là ou pas bon, y a bon en pile résistance.
Donc Paris Saint-Germain pas jouer avec Borussia Dortmund, yo moun pa ka trop prédit ça qui va passer. Ou ka peut-être faire analyse de tactique et Paris Saint-Germain, tactique et Borussia Dortmund, mais ou pa ka dit, ou pa ka parier pour dire que équipe ça a calé. Donc nous gagne deux demi-finales. Yo na premier a jouer aller a jouer le 30 avril et puis retour là jouer 7 mai. Donc le 1er juin c'est à finale Ligue Champion. Et la fête dans stade Wembley a tellement c'est un stade emblématique, yo pas même le stade encore, yo dit c'est le temple de Wembley parce que tellement gagné gros événement qui fait dans stade ça. Donc yon match dans bagage ça, donc monsieur droit de télévision dans pile l'argent qui va le tomber dans 1er juin les que stade Wembley en Angleterre pour l'accueillir finale Ligue Champion. Bon, nous imaginez nous pour aller une belle finale quand même, que c'est Paris Saint-Germain qui qualifie pour finale ou bien Dortmund ou bien que c'est Real Madrid ou bien Bayern de Munich, eh ben a gain bon boule. Et bien que en général yo dou et final yo pas toujours gagné belle tactique belle jeu, mais c'est en pile et yo prend pile précaution ou prend pile précaution ou pas prend goal. Donc ça veut dire que et gon l'autre bagaille qui vin nan place belle jouette là, c'est question de gérer match pas gagne question belle match, mais c'est question de gérer match et puis jouer une coupe là. Donc on commence avec sport pour nous petit gens. Et Kako dit en français briser la glace. Et pour nous commencer avec live tout chaud ça. Donc tout chaud, c'était boule et t'as parlé nous. Donc on allait qu'on y a dans le pays d'Haïti. Dans le pays d'Haïti, il y a parlé en pile ça dans l'actualité à côté de bon question insécurité et autres, mais c'est question conseil présidentiel transition. Conseil présidentiel transition, d'après sa premier ministre Ariel Henry, te dit, dans l'annonce qu'il te fait le 11 mars là, il te dit comme ça que gouvernement l'a dirigé à, eh ben, d'accord pour le mettre sous pied, un conseil présidentiel de transition. Conseil présidentiel de transition, d'après deux arrêtés, nous tenons pas qu'à tolé et qui fait là-dedans, on a Saint-Jean près la presse, mais grand pile causé qui dit et grand pile causé tout qui pas dit. La vérité, nous-mêmes, comme journalistes, nous prenons ça qui vient, c'est que vendredi, il y a un premier arrêté qui sorti pour nomination conseil présidentiel de transition. Ça, c'était vendredi. Et puis, il y a un lot faux, entre guillemets, un lot qui parlait de membre conseil là. Et puis, finalement, bon, et qu'on y a pour de bon, lui sorti. Donc, il y a pile question qui a posé sur lui. Et il y a pile réserve qui a fait sur lui. Moi, je recevais yon vidéo que Petit Dessaline, Maurice Jean-Charles voyait, côté que je vais expliquer certaines choses, moun qui t'a acheté moniteur, donc on paquet de causes. Mais tout ça, yon dit nous, moun qui a analysé, yon dit tout ça, pendant que situation, peuple, la condition peuple haïtien, li toujours, nan problème, la dégradé chaque jour, avec tout problème manger, moun pas qu'à déplacer, même sous la main, et monsieur Gangyo a frappé, donc, gen des fois tout, gen moun ki a analyser situation Haïti, yo di que lò pa tan de bougang yo bon gen lò plan plus danger lò pa tan de yo di sa y a mariné. C'est un coup palo aussi, yo di chaque le Brésil palo aussi, Brésil pour un goal nan songe dans match 82 et Argentine pas oui et Italie Brésil là qui finit 3-2 alors que Brésil gen match nul pou li, et ben chaque l'on parle pas aussi, Brésil pour un goal. Donc, je dis, t'as coup gang yo, l'on pas tende yo, c'est un problème. Nous sommes pris contact là avec Port-au-Prince et route Cafou tête chargée, moun a monté, c'est coup de tiré qu'a fait, et gen, ça qui est drôle là, c'est que gagne absence la police. Donc, situation toujours été tête chargée. Qu'on y a question qu'a posé, qui l'a que yo pral installer conseil présidentiel de transition? Qui est-ce qu'a installé? Qui côté l'a installé et qui côté le pral travail? Il y a déjà pris contact avec plusieurs, il y a un conseil là a pris contact avec membre gouvernement qui toujours gagne la donne dans tête li Ariel Henry qui empêchait yo côté à l'étranger et puis Michel Patrick Boisvert lui-même l'a assuré l'intérim l'a assuré il c'est premier ministre provisoire. Et c'est tout ça l'histoire a retenu tout. Donc,
gen contact ka prend, gen contact la police ka prend, contact la police avec conseil et présidentiel de transition, c'est ça information qui se porte-presse fait nous connait. Donc n'a quitté Haïti qu'on y a et n'a rentré qu'on y a nan ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis et gagné retour ancien président et républicain Donald Trump qui a retourné dans le tribunal jodi à New York. Hier on te propose, nous te gagné lundi mardi et hier mercredi on te propose et ben jodi à il a pas aller encore. Processus là c'est qui s'allier c'est il a choisi membre jury. Mais d'abord faut dire que qui ça procède. Procès c'est le fait que ancien président républicain Donald Trump t'a acheté silence yo vedette porno en parlant de Stormy Daniels nan, en 2016 pendant campagne là parce que li pa vle que causer ça t'est sorti que eh ben t'a une relation sexuelle ou bien amoureuse avec m'a dit ça Valérie te dit ah non mais était en relation amoureuse me quitte le pour parler parce que c'est pas seulement qui cabo traduction ça me quitte le pour parler me quitte exclusivité pour parler celui depuis New York capsule de très près pour nos situations oui donc il était en relation amoureuse et autre donc pas de ça sorti mais dans moment ça tout mon cap analyser donc dit que process ça tout c'est li mette dehors relation adultère que Trump t'a gagné et même gagné un bruit qui dit que monsieur gon petit dehors. Donc tout ça a fait dans un moment que gon campagne électorale parce que le 5 novembre c'est à élection présidentielle ici aux États-Unis et nous attendons que gagné yon rematch yon remake en français yon l'autre face à face encore entre président démocrate Joe Biden qui est actuellement au pouvoir et puis ancien président républicain Donald Trump. Donc moun kap men juge kap mené débat c'est yore le monsieur John McCain. Sou le prononcer John McCain Merchant, monsieur c'est lui qui a dirigé débat yo dans New York. Donc on y a et nan ki point yo nan choisi membre jury yo. Yo de choisi 12 membres et puis gen 7 suppléants. Gen 6 suppléants plutôt. 6 suppléants. Mais on déjà choisi 6, faut dire tu choisi 7 mais gagnon qui désistait parce que li bay plusieurs raisons qui fait que le pas capable yo rejeté li parce que et li même li te dit que le pas d'accord avec sa président te fait les Donald Trump le fait le président il te raconté tout question travail qui empêchait que li capable. Donc on y a au lieu de 7, nous gagne 6 donc on pour choisir 12 l'autre juré encore et jodi a c'est ça y a continué dans processus ça. Nous gagne sous place dans New York Valério Saint-Louis qui lui-même a porté tout détail pour nous pita dans rendez-vous info. Et puis l'autre point dans actualité internationale, gagne les États-Unis avec Royaume-Uni qui jeudi a yo imposé sanctions contre Iran depuis attaque qui était faite samedi et qui se passait là contre Israël. Et gon moun qui demande qui bilan pas c'est pas un bilan salé c'est sauf que gon ti moun qui mouri mais pas c'est pas un bilan salé mais attaque là gen toute symbolique toute importance li côté yo dou c'est attaque inédite que Iran attaqué Israël et Israël dit gen cabinet de guerre israélien qui réuni côté que y a cherché qui Jean pour yo qui type de réponse que pral bay Iran parce que dit y a Benjamin Netanyahu gen moun ki dit Benjamin Netanyahu et qui c'est premier ministre israélien il dit que la bay Iran yon réponse et Iran répond tout Iran dit comme ça si Israël attaque intérêt pal eh ben il dit que la bay yon réponse sévère qui a large et cap douloureux. Et pendant ce temps, il y a une pile de puissance occidentale qui parle pour gagner, pour violence à pas escalader dans la région Moyen-Orient. Donc, il y a dit Israël pas frappé, il y a pris sanction contre Iran. Donc, les États-Unis avec Royaume-Uni, ils prennent sanction contre Iran. Et mais, sanction ça, ils ciblent le programme iranien qui fabrique drones. Ils attaquent tout, ils sanctionnent contre l'industrie sidérurgique. Et puis avec construction automobile. Sanction Washington, qui mêle avec Royaume-Uni, yo visé 16 moun avec deux entités. 16 moun avec deux entités. Entité ça yo permet production drone iranien
ces drones ça a été utilisé parce que ils utilisent et Iran utilise deux types et deux armes, c'est missiles de croisière avec drones. Donc drone iranien, donc yo sanctions ça a attaqué ça les Shahed qui lui-même t'a fait drone ça, c'est drone ça, il a utilisé 13 avril qui s'est passé là. Et département Trésor lui-même Janet Yellen qui c'est ministre Trésor lui-même c'est lui qui annonçait nouvelles sanctions contre Iran et nous voyons que gain l'autre puissance occidentale tout cap aller dans même sens là. Yo concerné tout sanctions ça concerne tout trois filiales constructeurs automobiles iraniens en parle. Yon la de c'est Baman Group avec ministère iranien défense là tout. Yo tout ciblé par et sanctions que les États-Unis prennent d'une part, Washington d'une part, et puis avec Wyoming qui rejoignent et causer ça. Fon dit tout que dans ce sommet G7 qui a déroulé là, sommet G7 ça a déroulé dans Capri, son bel petit île, en belles îles, luxe, en pile luxe, hôtel, Rololo, première classe, dans Capri, dans son Naples comme ça, et puis en Italie, c'est ça, c'est G7. Sept pays qui puis industrialisé yo qui yo même yo réuni en Italie avec ministre affaires étrangères et Anthony Blinken li là tout. Donc dis nous dans G7 là qui va réuni jodi avec demain, et ben américain yo même yo gen plan pour yo rallier avec européen yo pour ka faire pression sur la Chine. Yo veut faire pression sur la Chine parce que yo croit que la Chine a aidé la Russie dans invasion que le fait contre Ukraine. Donc c'est Washington qui a passé lui-même ouais que il t'a joint collaboration tout européen yo et puis surtout tout mon G7 yo pour yo capable faire pression sur la Chine pour la Chine suspendre porter soutien by la Russie dans invasion contre pays Ukraine et Ukraine lui-même pendant ce temps lui-même gain attaque qui fait quand dit que gain plusieurs attaques qui fait là gain la Russie qui menait l'autre attaque contre Ukraine tout hier encore gain monde qui mouri et président ukrainien Volodymyr Zelensky dit si l'Occident était aidé le plus eh ben monde ça yo pas t'a mouri il t'a capable faire face avec et attaque la Russie et donc l'autre point que nous capable signaler pour vous c'est États-Unis qui a envisagé ou bien décidé prendre sanction contre Venezuela, Nicolas Maduro avec Venezuela. Son année électorale tout, dans pays Venezuela. Donc, année 2024, c'est élection en pile côté que c'est le Mexique, que c'est aux États-Unis. Donc, gain élection un peu partout. Donc, et dans pays Venezuela, donc, c'est sanctions qui, nous te connaît, t'es gain plusieurs accords, t'es gain accord que Nicolas Maduro t'es fait avec classe politique là, t'es gain accord tous les États-Unis, donc, t'es font-il calmer sous sanctions contre Venezuela, mais qu'on y a gain les sanctions à tourner, surtout que, Nicolas Maduro commence à frapper très dur, gain moun l'a mettre en prison, gain moun que le retirer dans le processus électoral là, et yon là d'ailleurs, c'est Maria Corina Machado, les mêmes qui tournent aujourd'hui à inéligible. Et dans la déclaration que le fait, dans la presse, dans la réunion que tu as fait, il dit qu'on ça moi-même, c'est plan A. Avait dit plan A, avait dit qu'il y a plus de monde qui en faveur. Il même parlé de 80%. Il dit qu'il y a même 80% de monde qui avait, et puis il y a 20% qui a joué Maduro. Donc il dit moi-même, c'est plan 1, et il insistait pour le dire, pour leader opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, il dit que il fait inéligible qu'on y a, mais il dit la continuer lutte là pour affronter président Nicolas Maduro dans présidentiel qui vient pour dérouler 28 juillet donc et un petit peu avant et élection présidentielle aux États-Unis. Donc 28 juillet c'est à élection présidentielle dans Venezuela. Donc c'est autant de points que nous ouais avant et ben gon inondation Dubaï là et Abela t'a montré cap montré image, c'est des images tête chargée et puis aéroport même chargé avec nous parce que en pile monde voulait quitter Dubaï et donc c'est tête chargée, c'est grand pays et gros inondation donc tête chargée qui gagne dans Dubaï et puis gagne Jeux Olympiques tout gagne flamme dans pays Paris donc bon paquet d'autres informations que pour nous ouais avec nous. Donc merci d'être que nous t'es branché pour live tout chaud avec Joby, Jacques Lebelizer
et avec Jean-Marc Hervé Abela et puis Tanabon l'autre détente avec nouvelle avec Jean-Robert Philippe dans Ticozé avec Jean. Moi c'est Jacques Lambert-Lizère. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité.